you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo des swatchs de cette marque qui est vendue sur AliExpress. Oui, oui. Alors on va commencer tout de suite sans attendre. Vous les retrouverez à n'importe quel prix, j'ai pas de lien particulier à vous donner. C'est juste pour que vous voyez un petit peu les couleurs. Il y en a beaucoup que j'ai acheté à l'unité, donc vous mettre à chaque fois tous les liens. Je le ferai s'il faut vraiment, mais vous savez qu'en ce moment j'ai pas énormément le temps de tout faire. Je suis dépassée par les événements entre le boulot et tout. Honnêtement, j'essaye de vous sortir 3 vidéos par semaine. Mais c'est vrai que je laisse entre guillemets un peu tomber les barres d'infos parce que en plus j'ai des galères. Les disques durs, j'en ai plus, c'est mort, j'en ai plus. Donc je sais pas comment je vais faire. Parce que pour stocker toutes mes vidéos, enfin, vous pouvez même pas vous imaginer, mon disque dur, il y en a plus. Il y a que les youtubeuses pour savoir à quel point un disque dur c'est important, quoi, j'ai envie de te dire. Donc plus de disque dur, le boulot, puis mon ordi qui est, c'est un PC portable, hein, c'est pas un PC tour de maison, quoi. J'ai trop de mal, j'ai trop de mal à tout faire, à tout suivre et tout, mais je vous aime de trop, donc 3 vidéos, je vous ai habitué à 3 vidéos, donc je fais 3 vidéos, mais c'est vrai que les barres d'infos, ben... Et en plus là j'ai perdu du coup, vu que mon disque dur est mort, j'ai perdu quelques vidéos que je vous avais pré-filmées, donc c'est pourquoi je refais ça, tu vois. Donc bon, c'est tout, on va commencer tout de suite sans plus tarder, je pense que je vais faire... Comme, je sais pas, où on verra la swatch virgule comme d'habitude. Alors on commence, le premier que j'ai à vous proposer c'est le Rave, R-A-V-E, le Rave, c'est un, je ne saurais dire, c'est un rose qui tire sur le violet, vraiment, et il est, mais d'une beauté. Alors là, il ressort pas tout à fait comme en réalité, en fait. Il a l'air d'être vraiment plus rose. Enfin, je sais pas. En réalité, il ressort beaucoup plus violet qu'à la caméra. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas trop important, mais j'ai pas l'impression que ça fait vraiment honneur au produit, en fait. Donc voilà. Et quand c'est porté, c'est vraiment... Il faut pouvoir, hein, les gars, hein, je vous le préviens. Hein. Ensuite, on a le Utopia, qui est un peu dans le même style, mais il est beaucoup plus foncé au niveau violet. Il tire beaucoup plus sur le violet. Il est, voilà, il a un brun foncé par rapport au Rave. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous proposer? Parce que du coup, je vais rester quand même dans les teintes. Qu'est-ce que j'ai? Non, je vais faire en allant. Comment vous voulez que je fasse? Hein? Comment vous voulez que je fasse? On va faire celui-ci. C'est le Beat It. Et celui-là, c'était dans un trio, en fait, que j'ai choisi avec le Peacock. Donc, je vous avais fait la revue avec le maquillage de la palette Célestiale, il me semble. Donc, c'est le rouge bleu, quoi. Et en fait, là, c'est un vrai rouge framboise. Il est magnifique. Celui-là, je l'ai beaucoup porté et il est vraiment très, très beau. Je vais faire déjà ceux qui sont déballés et ensuite, je déballerai les autres. Maintenant, on passe au Red Velvet. Alors, celui-là, comme son nom l'indique, c'est un rouge. Au niveau de la tenue, je vous explique même pas. Je les mets en allant au boulot. Et si tu fais pas de retouches, on va dire ça, à l'intérieur, ça part un peu quand tu manges et quand tu bois, mais en théorie, ça ne bouge pas de la journée, ça tient vraiment. Moi, je maquille à 7h30, je rentre à 5h et ça, enfin 5h30, 6h, et ça a pas bougé du tout. Donc là, c'est vraiment un rouge pétant, le Red Velvet. Ensuite, je vais avoir le Salem. Donc ça, c'est tout simplement un marron. Hein. C'est un marron, bien sûr, faut et mes portées. Vous avez été nombreuses à me dire que cette couleur vous plaisait dans les dernières vidéos que j'ai réalisées, je crois. Je crois que c'était pour un produit que j'ai testé, que j'avais beaucoup aimé, mais je ne me rappelle plus lequel. Donc ouais, il est vraiment portable. Moi qui pensais pas pouvoir un jour porter du marron, honnêtement là, je suis pas du tout déçue. Ensuite, il y a le Buffy qui était aussi dans le... trio un petit peu
sorti de l'ordinaire, on va dire. Et celui-là, c'est un clair, un nude qui tire sur le marron, mais voilà, qui reste clair, clair, quoi. Un peu une sorte de camel, on va dire. Mais j'ai beaucoup aimé et je l'ai porté quelques fois. Et honnêtement, il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, bah, y a le peacock, hein, celui-là, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Vous n'avez pas tout apprécié, hein, bien sûr. Forcément, c'est très spécial. Celui-là, je vais éviter de le mettre au travail. Enfin, il est en haut, hein, je l'ai mis en haut pour pas dénoter trop avec le reste. Mais voilà, vous m'avez dit que honnêtement, vous appréciez que je vous fasse des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, mais que c'était pas votre cam, quoi. Tout simplement, vous oseriez pas. Donc là, j'ai aussi... C'est lequel, celui-là? C'est le Wicked. Ou le Wicked, comme certains aimeraient dire. Alors celui-là aussi, c'est un rouge bordeaux, très foncé, mais qui, cette fois, a vraiment un bordeaux, quoi. Donc ça, j'adore. Il est là. Par rapport au marron, on sent vraiment la pointe de rouge qui est à l'intérieur. Donc j'ai alterné entre le marron et celui-ci beaucoup. J'ai vraiment adoré porter celui-ci et le... C'est lequel que j'ai beaucoup porté aussi? Le Wicked. Non, le Wicked et le Beat It. Voilà. C'est les deux vraiment que j'ai porté le plus souvent. Ensuite, on a le Riot. Donc, R-I-O-T. Qui est, on va dire, pareil dans les tons marronnés. Mais si vous voulez, il y a une touche de rouge quand même à l'intérieur. Mais il n'y a aucune... Il y a des sous-tons dans tout et il n'y a rien qui se ressemble, quoi. Donc c'est vraiment génial. Moi, j'adore. Pour le prix, honnêtement, si je les ai payés 2,20€ maximum, vous avez vraiment de tout, surtout... Enfin, tous les vendeurs ont des trucs, voilà, intéressants, quoi. Ensuite, on a le Pansy. P-A-N-S-Y. Donc celui-là, c'est un violet, hein, c'est clair et net. Il est là, il est très très foncé. Il faut pouvoir aussi le porter. Et là, je pars en virgule encore, de nouveau. Je suis en fait le muscle qui est là à chaque fois. Ah, je fais... Physionomiquement, je me suis moi-même, tu vois. Je suis en osmose avec moi-même. Donc ça, c'était pour le Pansy. Ensuite, on va passer au Jinx, G-I-N-X, qui est... Alors, lui, il est comment? Oh, il est trop, trop beau, celui-là. Ouais, vraiment, franchement, et toujours pas de la même couleur que les autres. Voilà. C'est un bordeaux, un vrai bordeaux, celui-là. Il est trop beau. Mais au moins, tu vois, quand je fais ça, ça te laisse... on va dire, plutôt que à chaque fois d'effacer, ça te laisse les autres et c'est vachement important de voir les sous-tons qu'il peut y avoir et les différences entre les couleurs. Maintenant, on passe au Pumpkin. Donc ça, c'est un, il tire vraiment sur le orangé, celui-là. C'est un marron, mais vraiment orange. Il faut pouvoir porter aussi, hein, franchement. Mais je le trouve plus beau en vrai, puisqu'il a des sous-tons rouges, que sur le site où j'avais juste dit, bon, bah, je vais le tester. Et je verrai bien. Voilà ce que ça donne. Il est pas mal, hein. Mais il a sous-ton orangé complet, quoi. Ensuite, on a celui-là, c'est le Bleached. Donc, ça, c'est un peu un nude rosé. Dans les beiges. Je sais pas comment vous swatchez. Je vais le faire sur le côté. Donc, voilà, c'est un beige. Un beige nude un peu rosé, mais néanmoins très très joli. Ensuite, je vous montre le Pink Velvet, parce que j'en avais déjà eu un et en fait je l'ai perdu. Donc forcément je l'ai recommandé puisque je l'adorais et je le mettais très souvent. Du coup, quand tu le perds, tu peux beaucoup moins le porter, c'est clair. Et il donne ça et c'est vraiment un rose hyper flashy que j'adore. Mais je le trouve plus beau que le Rave. En termes de rose, ça c'est vraiment un rose bébé Barbie, quoi, tu vois.
Ensuite, je vous propose le cachemire. Et ça, c'est une couleur taupe qui est vraiment très belle dans les nudes. Elle est vraiment très très belle. Ça, j'apprécie beaucoup aussi. Il se trouve ici. Et il est très très beau. Il est vraiment taupe. Un nude taupe. Et j'en avais pas des comme ça, donc je suis vraiment ravie. Et celui-là, il ressort vraiment bien. Ensuite, et pour finir, j'ai deux extraterrestres, on va dire, dans la gamme, voilà, des bip bip. Des choses que je porterai pas forcément, hein, on va dire, mais que je voulais quand même tester parce qu'on sait jamais, ça peut me plaire. C'est le cement, c'est un gris. Mais un gris, 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 quoi. Qui tire un peu sur le bleu quand même, un gris bleuté. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Et le black velvet. Le black velvet, c'est tout simplement un noir. Et il donne ça. Mais j'ai vu certains maquillages qui sont magnifiques avec un rouge à lèvres noir. Donc, sachez que plus vous allez foncer vos lèvres, plus vos dents vont ressortir blanches. Hein. Donc, n'hésitez pas à parier sur le foncé. Donc, foncez sur le foncé. Voilà, ça fait ressortir les dents blanches. Donc, il suffit de vous les laver quand même un peu avant. Et après, hop, vous êtes magnifique. Donc, voilà, c'était tout pour mes swatchs de la marque que vous connaissez maintenant et qui est vendue maintenant sur... J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que la vie belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, ciao! Are you listening?